Mardi 2 novembre 2021, gros bonjour et bonsoir pour toutes fanatiques TV La Caillou. Son plaisir pour nous avec vous, matin là, pour nous porter une vidéo d'information ça pour vous. Et n'a profité de remercier toutes ces là qui toujours été connectés sur TV La Caillou qui va jamais laguer nous n'abdou. Eh bien, merci, continuez à abonner, continuez à inviter vos familles, vos amis, vous venez abonner avec TV La Caillou pour aider nous, élargir, eh bien, communauté TV La Caillou. Petit garçon président Jovenel Moïse là, Jovenel Moïse est bien sorti dans le silence. Les côtés se font tout ce qui est pour nous dire nous exigeons du doyen et du commissaire du gouvernement une enquête administrative et judiciaire dans les plus brefs délais. Afin de faire lumière sur cet événement, eh bien, nous sommes sortis dans ce silence là après que bandits s'ont identifié ou bien groupe individu s'ont identifié, t'a cambriolé, t'a crasé, bio, juge Gary Aurélien qui lui-même t'a mené enquête, eh t'a mené dossier ça sous enquête et dans assassinat président Jovenel Moïse là, eh bien, Jovenel sort dans ce silence là. Et puis, il y a la République Dominicaine qui lui-même humilie Haïtien pour l'autre fois encore côté le coupé visa pour Haïtien pour éviter. Et donc, immigrants haïtiens t'a entré dans le pays dominicain. Et puis, donc Claude Joseph qui nous fait intervention. Et c'est ça qui t'a pas mené gros décision, ça, que l'État dominicain ou même le point. Et bien, Bandi Matissan qui kidnappé, et bien, 7 camions qui détournent 7 camions gaz à tout chauffeur, ou kidnappé chauffeur, et ou prend camion, ça, on va éviter de détails. Et puis, il y a un policier, Obed Jean-Baptiste, qui lui-même t'a kidnappé par groupe 400 Marozo, qui vient en tête de l'homme sans jour, et nous va éviter de tout détail, mesdames et messieurs, et puis dossier, et bien, assassinat, en tout cas, tout détail, c'est en dans la vidéo, ça a été connecté, n'a pas tout. Annoncé là avant de venir avec la question Guédéan. Après été fin annoncé le poté le parti civil dans le procès assassinat Papa Ali Jovenel Moïse, conseil avocat Jovenel Moïse réagit suite à un cambriolage à question Zach pillage qui fait un cas juge Gary Aurélien qui a instruit dossier assassinat ancien président Jovenel Moïse dans cabinet avocat Jovenel Moïse a qualifié scandale à inacceptable Zach Silla. Conseil avocat Jovenel a exigé une enquête administrative à Kajidi pressé pour offrir lumière sous dossier à sa assassinat ma papa Ali qui c'est Jovenel Moïse. Information ça pour nous capable payer dernier loi et non pour nous capable mettre fin dans le journal là ces questions et ce qu'on est et autorité américaine yo et yo cap yo joindre trois gros taux là qui dans question et là-bas États-Unis non acheter armes acheter munitions voyez by les 400 marozeux. Bah je viens avec information ça. Résident dans le sud état États-Unis en Floride, monsieur Elian de Tunis, Jocelyn Dor et Walder Saint-Louis, ces trois ça yo accusé dans niveau fédéral implication présumée dans question de trafic d'armes à feu qui yo passé par Floride pour voir gang 400 Marozo. Ça dit gang 400 Marozo. Et ne qui jodi à la 400 Marozo nous connaît qui réputé qui gagne nom dans question kidnapping et c'est un groupe armé selon information qui fait pigo cas de kidnapping collectif en dans pays. Selon plainte qui déposée contre monsieur ça qui me cité là, m'a rappelé non yo qui c'est Elian de Tunis, Jocelyn Dor et Walder Saint-Louis, mais selon plainte qui déposée contre monsieur ça yo, mais trois nex ça yo yo placé yo faire placer commande question ZAM et pour sous deux supérieurs anonymes pour gagner 400 Marozo. Ça veut dire que yo gagne ZAM yo acheté fait pas il va identifier pas qui monde pour capable voyer ben 400 Marozo. Parmi ZAM yo acheté yo placé comme commande, attendez bien, gagne yon fusil type sniper excusez-moi les beret ou bien barrette modèle 82A1 calibre 50 selon message que yo jeune cap échanger via avec question WhatsApp entre accusé yo et interlocuteur gang yo. Ça veut dire nèg gang armé 400 Marozo yo. Elian Tunis, c'est un citoyen américain, il c'est membre à partir à 400 Marozo, c'est-à-dire son membre 400 Marozo pendant qu'il est là-bas. Selon information yo et li voyant pile message ben co-conspirateur anonyme qui en Haïti que beaucoup capable d'identifier dans l'anonymat côté que monsieur Sayo yo acheté plusieurs armes voyez ben groupe 400 Marozo et acheté dans main des monde qui a accès dans question maison armes vendre armes aux États-Unis et acheté armes ça voyez ben 400 Marozo. Trois suspects Sayo accusé pendant qu'il a acheté en pile armes en pile munitions dans main revendeur qui a accès vendre armes dans état Floride et yo même yo voyez armes ça en Haïti dans des barils, vous voyez dans des barils et vous voyez tout dans des questions des vêtements, mettez dans question rad, dans chaussures, dans souliers, mettez dans souliers, mais vous voyez tout dans question ghetto raid,
parmi un ensemble de moyens qui utilisaient pour capable vouer les armes avec munitions ça yo ben 400 maozo et il a financé c'est parmi nek ça qui a financé nek ça aux armes au matériel et Lian Tunisien lui-même monsieur c'est un nek que tes autorités a cherché monsieur sérieusement et puisque avec de l'autre acolyte yo qui impliqué dans question acheter des armes acheter munitions voyer bail base 400 maozo trois suspects ça yo yo commencé à garder yo commencé à vouer les armes ben 400 maozo yo depuis dans mois septembre et j'y vais jusqu'à fin octobre selon plainte qui déposé contre trois suspects ça yo et yo accusé dans question contrebande et infraction contrôle exportation nek sa monsieur 400 maozo j'en dis là qui est basé dans quoi des bouquets et qui gagne dans les cap diriger le cognac sont certains de l'amour sans jour qui gagne vrai nom qui c'est Wilson Joseph mais pas oublier c'était yon hein avant qui t'a gérer et groupe ça mais yon qui les mêmes dans prison et t'a gardé yon récemment là qui t'a fait fait dans prison côté était au ça t'a monté ça gain sous lit et information menée enquête menée reste qui était sur Jean yon était habillé seulement chaîne par là dans gourmet par là dans yon était habillé pour presque 4 à 5 000 dollars 6 000 dollars américains j'ai t'a gardé yon en dans prison d'après information yo. Eh bien, plainte qui déposé contre monsieur Sayo, il a demandé avec autorité américaine pour capable poser la patte sur monsieur Sayo qui eux-mêmes c'est des monde financé avec monsieur 400 maozo yo matériel zam et puis munitions et je dis à la cap problème avec la population haïtienne bon me rappeler non trois monsieur Sayo et selon texte premier monsieur c'est Elian de Tunis deuxième nan c'est Jocelyn d'Or et troisième nan c'est Walder Saint-Louis n'a prend pour d'aller retourner c'est pour le rappel quelques nan principales informations de Jean-Baptiste qui c'est Marie Martine Guerrier. Oh man, le samedi, moi-même, c'est même pas fou. D'ailleurs, moi, je suis petit, moi, j'ai 5 ans déjà. Je suis campé, moi, je suis prêt à faire mon manège. Ok? Moi, je suis allé à Obed, Jean-Baptiste, chéri, parle. Moi, je mets le téléphone dans ce speaker, moi, je suis avec un seul, je n'ai pas qu'à camper. Lisim, chéri, je dis Obed, Obed, comment y est? Je dis, bébé, là. Et puis, même quand il a repris le téléphone, là. Et puis, mes chéri, je dis, comme ça, 100 000 dollars. Deux agents, pour la maman dit ah mon vieux petite machine là ça là machine m'a vendu pas comme si m'a gagné 120 pour me chercher cobla pour me bailler pour la jambe pas connait non deux ans on me dit combien pour me bailler dit 100 000 dollars matin moi j'ai essayé de reler yo moi il pas sonné après ça même monde qui te parle avec moi non il parle avec moi mais c'est comme si même dans ma balance ma voix là il parle avec moi il dit malo c'est qui est c'est juste madame Robert il dit oh après parler les maths en affaire lou parler il dit non bon condition avant me dit non même moi m'entendais sur les réseaux sociaux m'a regardé tout bagarre m'a tendu dans la radio c'est Robert Mouri dit qui ça pour me faire parce que je dis à ce congé demain ce congé mais quoi dit pour me mettre comme d'ailleurs si c'est vieux bout de calam je peigne m'a mettre là la vente m'a prêté m'a fait fonder et puis m'a et puis après m'a remettre lui puis après m'a remettre lui et puis pour nous mettre au bête de moi je dis si tu finis pas la veine c'est moi l'absent pour ma nez moi je n'ai pas comme une confiance totale je n'ai pas comme qui ça pour me faire je n'ai pas connu parce que pour les autres bien de mourir et moi je n'ai pas la bête que les gens n'ai pas mourir après ça m'a dit monsieur qui compte mieux là je prends le téléphone pour ma nez enfin maman de l'homme ça joue papa m'chérie on met pas en tout au bête tout le monde qui va griller, moi je dis au bête que ça peigne, mais pas côté de moi pour monter des seins parce que là nous venons peigner, c'est bon, qu'on n'y a pas bon. Mais pas tandime, mais pas qu'on ne l'aime pas la veille. Mais toujours du matin, nous toujours proposons Zizio. Je dis au bête que c'est pas Zizio, Zizio, non, maman pas manger ça. Imaginons, on m'aime, on m'a connu qui ça me va faire. Mais maintenant, où tu vas demander la mort sans jour? Est-ce que c'est parce que vous connaissez bloc lié, comment des blocs ça ou bien? C'est 400 maozo pour elle, parce que c'est son plus compagnie, c'est une prune, monsieur, la donne, et puis tout. C'est l'homme beau papa, maintenant je vais mourir, c'est sûr, bête de mauvais monde, qu'on est mal à sortir dans la zone, ou qu'on en fait très bien, pour m'investir de l'homme, monsieur, nous qu'on en fait, on bête pas mauvais monde, on bête toujours dit, chérie, je vais donner ce demain. C'est dit, ensemble, chérie, ce demain. On bête le composé ambassade américaine, on bête bon, je vais quitter la police. Les gens qui sont amoureux, mais ils disent, ah chérie,
Et voilà, on a écouté déclaration Marie Martine Guerrier, qui c'est madame policier Obed Jean-Baptiste, policier ça jeune dit là. Côté que, eh bien, madame policier qui c'est madame Guerrier, les mêmes qui accusé nèg 400 maraudeurs avec un groupe Vitel Homme qui est à kidnapper Maril dans samedi qui était 4 octobre dans la zone Pernier, 17 Douvan, la Caillou. Et côté que madame Guerrier, qui c'est Martine Marie Guerrier, qui fait connaître que, eh bien, nèg déjà contacté pour demander 100 000 $ pour capable libérer Marie, qui c'est Obed Jean-Baptiste, policier ça, agent 3, sur l'information et qui t'a affecté non sous commissariat Delma 62. Moment arrivé pour capable aller dans la province de la cadre de Roubaix Matisse, mais n'a venu avec exactement et Jacqueline Dupré. Oui, nous, Badina Matisse a kidnappé 6 camions gaz à 5 chauffeurs hier lundi. Il y a une information, nous porte par l'association chauffeurs produits pétroliers Jacqueline Dupré qui jusqu'à hier. Après-midi, pour qu'on ait une nouvelle grande chauffeur qui t'est venu sauver, bah, mes bandits, Jacqueline Dupré dénoncé autorité au qui, pas jamais prêt disposition, non tout bon vrai, malgré promesse, yo t'es fait, yo, association menacé, capé, travaillons l'autre fois, encore pour protester, si, autorité concernée, pas prêt, décision rapide, rapide, pour permettre, avec chauffeur, ça, yo, fait travail, en toute inquiétude, en côté, Jacqueline Dupré, dans le micro, Blaise Peterson. Et, normalement, moi-même, mon frère, nous-mêmes, en tant que chauffeur association, nous choisissons de ne pas bailler, intervenir encore, parce que nous sentons, nous vivons, ça m'a dit, là, il n'y a pas de danger, nous vivons, nous sommes en macaque, parce que si nous chutons avec une défense, avec des TBM BAD, nous te campions, nous disons, mais ça, nous besoin pour juste fonctionner, parce que nous-mêmes, nous pas choisir à le camper, parce que là, oui, c'est là que nous vivons au jour le jour, nous avons une famille. Nous avons des amis, nous avons tout le monde qui a le travail. C'est des gaz là où vivent pour le travail. On va dire, ils sont produits, ils sont allés, ils n'ont pas qu'à choisir bloquer. On choisit de bloquer, le même choix samedi dernier, mais va oui bloquer jusqu'à présent. Bon, nous choisissons de travailler à vous là, mais matin, nous prenons au moins 4 ou 5 chauffeurs. Nous prenons matin là, imaginez où on est là. Qui ça nous va le faire là? Qui ça nous va le dire qu'on est là? Qui ça nous va le faire? Et qu'on est là, les mecs là, on va le dire nous, il faut le travail. À qui bouche l'État va le dire le travail? À qui bouche l'autorité va le dire nous là? On va le dire nous, monsieur, il faut le travail. Mon frère, nous-mêmes, nous sommes de sexe sensible. Mon cher monsieur, ça, nous, en tant que chose de camion, nous avons choisi, victime la donne, et sauf qui vient, nous-mêmes, nous faisons pour le sauf qui, après, nous allons réunir là, entre nous, pour nous écrire pour ce travail. Mais l'État avait dit c'est confirmé que y a kidnappé le chauffeur au bridge, selon notre propre. Ah oui, confirmé depuis 7h du matin. Il y a plusieurs chauffeurs là qui l'amènent dans votre camion là. Il y a nécessairement Carrefour qui baille gaz, ça met terminal va où il y a pas baille gaz. Non, pas baille gaz, parce que le terminal va est bloqué. Par contre, comment le bloquer. Mais autorité a dit il y a créé un couloir pour permettre que nous-mêmes nous sommes capables d'attendre gaz et puis de distribuer dans notre pays. Si vous ne pas atterrir, mon frère, nous te juste avec vous, samedi dernier, le ministre de France, c'était bien pas, nous te dit, zone sensible, et il a choisi de mettre à disposition pour une présence de la police pour nous capables d'attendre l'activité de nous, et bien ça passe ce matin là. Eh bien, nous avons dit qu'il faut faire une mission nous-mêmes, nous n'avons pas choisi. Allez pour tête, nous allez, mon frère. Non, mais pas plus. Depuis nous choisir poser, depuis nous-mêmes, nous avons un gaz pour fonctionner. Il y a juste tellement, ou bien nous délivrer le chauffeur nous-mêmes pour nous, parce que nous n'avons pas de catalogue. J'imagine, comment on l'a dit, et comme si au monde, là pour manger la caille, ou bien la caille là pour manger, et puis là pour manger à l'instance, on ne va pas faire un pour la rien, c'est notre travail. Au moins, pour nous capables à l'aise pour moral nous, on va dire, on prend un beau fixe pour nous arriver, parce que si nous ne pouvons pas jouer, c'est que tu devrais avoir un arrière kidnappé, nous faisons la gagne là. C'est combien au total chauffeur qui n'a même pas? Bon, au moins chauffeur qui kidnappé là, à tout camion là, il y a 4 ou 5 chauffeurs. 4 ou 5. Parce que moi, bon texte qui dit qu'il y a un chauffeur qui est sauvé, qui fait que. Oui, il y a un qui, bon Dieu, qui soit loué, bon. Monsieur Lagipil, mais nous ne pouvons pas commander, mais nous pouvons organiser des nouvelles emails, Monsieur Lagipil.
Et voilà, ça c'est déclaration Jean-Jacques Dupré, lui-même, qui s'est pas parlé, l'association chauffeur qui n'a conduit gros camion, cité une question gazio, qui dénonçait la question Zach enlèvement qui fait sous plusieurs chauffeurs, qui a conduit camion ça qui a pris gaz dans le terminal Tor, dans la commune Cafou, pour être capable de livrer dans diverses pompes dans zone métropolitaine Port-au-Prince. Pendant la situation dans Matissa, on aurait été avec ça, jeune dit à la côté hier de l'après-midi, environ 4h30 dans l'après-midi, côté en pile coup de balle tape chanté dans Matissa en Fontamara, ça qui était paralysé toute activité en bas, surtout situation ça qui était provoqué sans délai, une gros panique dans l'entrée sud de capitale. Ariel Henry qui met solidarité avec parents victimes naufrage qui fait samedi en Haïti, selon autorité ambassade américaine en Haïti, il a rappelé que Haïti a parmi pays jodi à la côté l'in niveau 4 hein, alerte niveau 4 par rapport avec pays jodi à qui gagne gros alerte sous lit via avec question sécurité et question crime enlèvement et puis question COVID-19 je dis hein, côté cas COVID a augmenté chaque jour en Haïti. D'après ça autorité en ambassade américaine en Haïti fait qu'on est c'est ça information fait quoi que jodi à la ta capable gagne gros mouvement en Haïti à côté plusieurs groupes armés selon ça, il dit qui pourrait utiliser même tactique au Phantom 609 lui-même d'utiliser motocyclette pour capable à attaquer ensemble de institutions mais ensemble de boîtes l'État en d'un pays et côté que l'autorité américaine demande encore avec tout ressortissant américain pour capable faire un peu de prudence pour pas circuler dans le moment ça dans diverses rues en d'un pays et d'Haïti. J'en ai dit là gagné autorité dominicaine qui décidait camper pour titre question visa spécial avec étudiants haïtiens après on dit parler que ministre affaires étrangères Claude Joseph lui-même qui était bah réponse avec ça. Le président Luis Abinader lui-même était dit par rapport avec la situation de sécurité qui gagne dans le pays d'Haïti. Il fait qu'on a un gros impact sous et c'est demain. Et nous connaissons la fois dernière, Luis Abinader pas décidé de participer dans la COP26 par rapport avec la question COP26. C'est sous question climat, changement climatique qui gagne dans le monde. Mais vu avec la situation de sécurité qui gagne en Haïti, Luis Abinader a dit qu'il préférait pas participer. Il conseille que tout pays dans le monde a décidé de penser, réfléchir sur la situation de sécurité Haïti. A vu, je dis, problème, instabilité que le pays a vu, je dis. Ce qui concerne un dossier visa, autorité dominicaine vice ministre affaires étrangères c'est demain les réagir sur ça. Ils ont décidé camper programme spécial visa pour étudiants haïtiens. Le gouvernement dominicain a décidé camper indéfiniment programme spécial visa pour étudiants haïtiens dans pays. Ça c'est vendredi soir vice ministre affaires consulaires migration Jadzel Woman qui a annoncé une nouvelle via compte Twitter. Le gouvernement dominicain a décidé de camper indéfiniment le programme visa spécial pour étudier ici au pays République dominicaine. D'après sa responsable public qui est dans le ministère des Affaires étrangères publié, annonce a venu tout de suite après un petit temps. Le gouvernement haïtien a répondu. Luis Abinader, qui est président dominicain, qui a demandé la communauté internationale pour agir pressé sous cas pays d'Haïti. Ministre Affaires étrangères, ministre haïtien Affaires étrangères, Claude Joseph, affirmé sous compte de lui en réponse par rapport avec ça Luis Abinader te dit qui c'est président dominicain il dit augmentation en crime République dominicaine a connait tout yon augmentation criminalité même gens département d'état américain alerté ça à voyager lio suite à avertissement 25-10 le 25 octobre département américain a fait contre augmentation criminalité dans pays voisin yo on a parlé de République dominicaine moi encourager gouvernement dominicain et haïtien yo pour travailler ensemble dans l'idée pour capable lutter contre problème de sécurité qui gagne sous l'île d'après Claude Joseph qui écrit ça sous compte Twitter li. Suite à l'annonce, autorité dominicaine a pris la décision pour occuper visa étudiant à ICO indéfiniment. L'autre point d'actualité à question, Jean Désir, questions à faire et guider pour rituel vaudouillot.